Bonjour à tous, salut, c'est Tim, destination Mont Blanc. Vous connaissez tous le Mont Blanc, le toit de l'Europe, 14 stations de Haute-Savoie qui vous accueillent ici à Liège. Allez, venez, on va faire un tour. Allez, je vous présente Megève pour commencer avec Odile de Megève. Salut Odile. Salut Timothée, bonjour à tous. Megève, station française dans les Alpes, qui a su garder toute son authenticité, son charme, un village très accueillant et qui développe différents projets, dont une démarche famille pour accueillir les familles en vacances afin qu'ils créent un séjour inoubliable, fait de merveilleux souvenirs. Voilà. Merci Odile, à toutes. Allez, on passe à la plus connue d'entre nous, on passe à Chamonix avec Patricia. Salut Patricia. Bonjour. Bonjour. Alors Chamonix, c'est une belle vallée avec quatre villages. C'est le pied du Mont Blanc, c'est l'été, c'est l'hiver, c'est en fait même quatre saisons. On peut faire des tas de choses à Chamonix. On peut faire du ski, on peut faire de l'escalade, on peut faire de la rando, on peut faire de la baignade, on peut faire du rafting, on peut faire tellement de choses que j'arrive même pas à vous le dire en entier. Voilà. Et puis c'est le pays du Mont Blanc, donc c'est la proximité de l'Italie, de la Suisse, des balades et des événements, des grands événements trail, il y a beaucoup de vélos aussi, on a pas mal de choses intéressantes. Et puis aussi, vraiment, on a le Mont Blanc qui nous regarde et ça, c'est la plus belle des choses qu'on puisse avoir. Merci Patricia. Allez, on retourne un petit peu plus en fond de vallée et on va voir Amanda du côté de Passy. Salut Amanda. Bonjour, donc je vous présente Passy Pleine Joue. Donc c'est une station qui est vraiment familiale, donc adaptée pour les enfants. Vous avez aussi possibilité de faire des randonnées, de faire du canyoning, de la via ferrata, donc il y a beaucoup d'activités. Et si vous aimez beaucoup le patrimoine, on a une église avec des œuvres du XXe siècle, donc qui est très connue, c'est l'église Notre-Dame de Toute-Grâce. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir Passy Pleine Joue. Merci Amanda, à tout à l'heure. Allez, on va visiter Combloux, les stations sur les Coteaux du Soleil. Bonjour, donc Combloux est une station Famille Plus depuis 2006 qui répond aux exigences du label et qui est donc spécialisée dans l'accueil des familles. On est doté d'un plan d'eau biotope l'été, donc c'est un plan d'eau où l'eau est régénérée entièrement par les plantes qui vous donne une eau de baignade de qualité face au Mont Blanc, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et d'un domaine skiable l'hiver de 100 km de piste qui reprend trois stations, Combloux, le Jaillet et la Giétaze. Pareil, toujours adapté aux familles, on a de nombreuses animations et nombreuses activités accessibles du plus petit au plus grand. On vous attend donc à Combloux. Cool, merci Sonia. À tout à l'heure. Allez, on passe à Praz-sur-Arly. Je vous présente ma station. Donc, une petite station de montagne ludique, accessible, nature et gourmande, juste au pied du Mont Blanc également. Donc, chez nous, c'est simple. C'est le plaisir, la créativité. C'est pour les gens qui ont gardé un petit esprit d'enfant. Et je voudrais vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Draz. Draz, t'es où? Ah, c'est bon. J'ai retrouvé Draz. Draz, c'est notre mascotte. Draz qui vous attend et qui vous accueille à Praz-sur-Arly. Que vous alliez faire du ski, de la rando, du VTT électrique ou tout simplement vous baigner, faire un petit tour en montagne. Voilà pour Praz-sur-Arly. Et puis je vais vous présenter Cordon juste à côté. Salut Jacques. Salut Timothée, tu vas bien? Bonjour à tous. Alors Cordon, c'est un village magnifique situé au-dessus de Sallanches. Le surnom de Cordon, c'est le balcon du Mont Blanc. Pourquoi? Vous vous asseyez sur un banc et vous restez toute la journée à admirer le Mont Blanc. Du lever du soleil, le soleil se lève soit à gauche, soit à droite suivant la saison, jusqu'au coucher où les couleurs rougeoyantes de la neige sont magnifiques. Vous serez bien chez nous. Que dire de plus? Nous restons un village à taille humaine avec encore énormément d'agriculture. Tout le village vit au rythme des saisons. Et chaque saison a sa richesse. Entre la flore et la faune, on trouve de tout à Cordon et on y passe un séjour magnifique. J'ai arrêté là parce que je pourrais en parler pendant des heures. J'ai donné le micro à Timothée, sinon il va m'arracher les cheveux après. Merci Jacques, je crois que t'as tout dit. Hein. T'as parlé du soleil, hein, j'espère, hein, Cordon. Ah, alors ça va. Allez, on descend juste en dessous de Cordon, la ville au pays du Mont Blanc, et je vous présente Véronique.
Bonjour, donc Sallanches c'est la ville au pied du Mont Blanc. Donc on peut faire du shopping, on a notre marché traditionnel du samedi matin, donc des randonnées familiales, de la baignade au lac et à la cascade, des sorties et plein d'autres choses encore qui fera pétiller vos vacances. Merci. Merci Véro. Alors du coup, pensez-y pour vos vacances. Venez nous voir chez nous, en dessous du Mont Blanc, destination Mont Blanc, les 14 stations que vous avez juste là. Donc Chamonix, Combloux, Cordon, Les Contamines, Les Ouches, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, Sallanches, Servoz et Valorcine. Et un grand merci, à bientôt.